crois que l'attrait de ce film, par la nouveauté de ce film, serait justement la peinture de ce milieu, une peinture très dure, qui est compensée justement par une histoire entre une Alsacienne et un jeune homme qui s'est évadé de prison, une histoire d'amour entre deux personnes d'un milieu différent, et une histoire qui est très, très proche de Roméo et Juliette, si vous voulez. C'est-à-dire que sur cette histoire d'amour très romantique se déroule la violence de tout ce qui contrarie l'amour, comme dans Roméo et Juliette, il y avait toutes les intrigues entre les familles, etc. Là, c'est reporté, si vous voulez, sur les élections où se passe la lutte impitoyable de deux candidats pour la domination d'une région et où l'amour de ces deux jeunes, dont la jeune femme, se trouve, si vous voulez, intimement liée à la politique parce que son père est l'un des deux leaders qui s'oppose, cette politique va tuer cet amour, en fait. Je trouve que cinématographiquement, l'Alsace reste une des régions qui peut le plus servir de toile de fond à des récits. Il y a une ambiance en Alsace, il y a un climat. Il y a un climat qui est très favorable aux films d'atmosphère et aux films policiers ou aux histoires romantiques. Et comme je suis un romantique et que je fais pas mal de films aussi, où j'aime beaucoup j'aime l'action dans les films, j'aime pas qu'on s'ennuie, etc., j'ai besoin de recréer une atmosphère qui, moi, me fascine, c'est-à-dire une atmosphère que l'on retrouve à chaque coin de rue ici et qu'on ne peut pas retrouver dans des villes à dessins géométriques et froids. Vous aimez bien le brouillard? Ah, j'adore le brouillard. D'ailleurs, il y a toute une séquence dans l'Albatros qui se déroule, une poursuite de voitures dans le brouillard, ce qui est très rare puisqu'on n'a jamais fait ça au cinéma. Deux voitures, que les policiers qui poursuivent une voiture dans laquelle je me trouve, et nous roulons sans phare. Moi, j'éteins mes phares pour qu'on ne puisse pas me suivre, et alors c'est vraiment une course à la mort parce que on ne voit rien. Enfin, vraiment, ça se passe à l'aube, la route est envahie de nappes de brouillard et les policiers me poursuivent, et pour ne pas me signaler, j'éteins mes phares.